les cérémonies religieuses de nouveau autorisées à la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne. Alors ce matin, quand le père Diédou fait son entrée avec ses fidèles, le moment est au recueillement, mais aussi au respect des gestes barrières. Nous avons mis des étiquettes et les gens, quand ils entrent, ils savent où s'asseoir. Nous avons une équipe ici qu'on appelle l'équipe d'accueil. C'est elle qui accueille les gens en arrivant avec du gel. On le pose le liquide pour se nettoyer les mains et on lui donne le feuillet de chant. Ils sont joyeux que la messe a repris, alors ils sont contents. La joie donc de retrouver ce lieu de prière qui pour l'occasion n'accueillait que 150 fidèles au lieu des 800 habituels. Masqués durant toute la cérémonie, ces Cayennais étaient plutôt heureux de retrouver les bancs de leur église après 6 mois de confinement. Pour nous croyants, pour nous chrétiens, il nous faut absolument le contact, les murs, le prêtre, voir le monde, la présence humaine pour pouvoir mieux vivre sa foi. Ça fait longtemps, même si j'ai prié chez moi et j'ai regardé la messe à la télé, mais du fait que je viens ici, ça me fait plaisir. Ça fait un moment qu'on attend l'église, pour moi c'est intéressant. Pour prendre l'activité, pour commencer à venir à la messe tous les jours, ça va très bien pour moi. Il y a longtemps que j'attendais ça. Viendra le moment où on pourra de nouveau se rassembler et puis surtout être plus proches les uns des autres. Mais on est quand même proches en communion malgré tout. Une communion malgré les contraintes liées au coronavirus. Mais la joie de pouvoir assister à la messe dominicale pour ses fidèles a pris le dessus ce matin à la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne.